au long d'annoncer. Un symbole pour toutes les jeunes, tant les jeunes du Chili comme les jeunes qui sont partis toutes petites avec leurs parents du Chili, quand Pinochet les a expulsés du pays. Dans les guerres de tous ces Chiliens qui maintenant sont des adultes, Rodrigo vit toujours. En 1976, Rodrigo Rojas de Negri voyage au Canada pour rencontrer sa grand-mère. Sa mère vit encore à Valparaíso. A été capturé et mené en camp de concentration Tres Álamos. Il est resté pendant plus d'un an, jusqu'à ce qu'il ait été expulsé du pays et a réussi à se réfugier aux États-Unis, où il a retrouvé ses deux enfants, Rodrigo et Pablo. Rodrigo a passionné le Québec. Il a bien connu peut-être l'enfant de tous les jeunes qui ont été exilés au Québec. Il a bien joué la flotte, aimé les patinages sur les glaces, et a passé des heures revelant des photos. Rodrigo peut-être jamais a complètement s'inséré dans la société américaine. Rodrigo aimait beaucoup l'Amérique latine. Il a vécu son exil chez les latines. Il aimait la littérature latino-américaine. Il jouait le charango dans une grande musique andine. Il a été impliqué dans des actions de solidarité, peut-être comme beaucoup de vous qui sont ici. Dans ce contexte, j'ai connu Rodrigo quand j'avais 18 ans. Quand nous participons dans une journée appelée Ollas Comunes ou Chaudron Populaire, je ne sais pas la traduction. La porotada era. Porotada, Chaudron Populaire en français. Avec les jeunes des quartiers populaires et les étudiants de l'Université de Santiago. Il a attiré mon attention des jeunes à cause de son apparence physique. Il était très beau, très grand. Et aussi à cause de sa caméra. Quelques jours après, le 2 juillet 1986, jour de grève générale au Chili, Rodrigo arrivait sur le lieu pour photographier les événements de ces journées de protestation. Il s'est rencontré avec moi et mon groupe de gens. Nous nous préparons à manifester contre le régime quand une camionnette civile apparut, bleu pâle, escortée par 12 autres véhicules. Une trentaine de militaires camouflés comme à la guerre dans la camionnette, 23 km plus loin de le lieu. Ils nous ont abandonnés dans un terrain désert totalement calciné. Dans le terrain, c'est Rodrigo qui prend connaissance, qui prend conscience en première. Il m'a réveillé et ensemble, on a marché péniblement jusqu'à la route pour quitter de l'air. Quelques heures plus tard, pour nous déposer à l'hôpital. 4 jours après, Rodrigo Rojas de Negri mort. Il avait 19 ans. Moi, j'ai vécu avec 65% de brûlure de mon corps grâce à l'aide du peuple chilien et grâce à l'aide du peuple québécois. Thank you.
Rodrigo Rojas.